Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Wikipédia, vous connaissez? La célèbre encyclopédie en ligne qui fait le bonheur de plein d'étudiants et plein d'élèves quand ils cherchent quelque chose. À mon époque, ça n'existait pas. Donc, quand on allait chercher quelque chose, il fallait aller à la bibliothèque et prendre Universalis, l'encyclopédie, prendre le bon volume et chercher, et chercher, et chercher. Mais les compétences de recherche en jeu quand on cherche dans un livre sont inégalables avec la recherche directe avec Internet et on a directement le truc. Parce que en tournant les pages, on en voit des choses passer et ça nourrit notre esprit. Mais je ne dis pas ça pour critiquer Wikipédia parce que justement, je vais en dire peut-être quelque chose de positif. Wikipédia, c'est une encyclopédie participative et elle représente la démocratie sur Internet. Vraiment. Pourquoi? Parce que Wikipédia fonctionne avec l'intelligence collective, c'est-à-dire que les gens participent à nourrir les articles de Wikipédia. Donc quand tu cherches quelque chose, il se peut que l'article a été fait par ton voisin ou par quelqu'un qui habite à côté de chez tes parents ou d'un autre pays, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de super important parce que c'est la question de la démocratie du savoir. Pourquoi? Parce que c'est important que les gens se réapproprient le savoir, parce qu'on a déjà dit, on le répétera, c'est que le savoir, c'est le pouvoir. Le fait de connaître les choses, c'est le pouvoir. Et on ne va pas laisser tout le temps le pouvoir aux mêmes. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes qui ont le savoir et ils veulent garder un peu cette enfermé un peu dans un château, dans un grimoire ou dans un coffre bien scellé, tous ces bouquins qui délivrent du savoir. Au bout d'un moment, les initiatives comme Wikipédia, eh ben, il faut les encourager. C'est super important. Parce que peut-être demain, Wikipédia n'existera plus parce qu'ils n'ont pas besoin, ils ne se basent pas sur les pubs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est la participation des gens. Donc, il y a des appels souvent aux dons sur Wikipédia. Donc, n'hésitez pas à participer pour les aider. Et avec toutes les fois où ils nous ont rendu service, franchement, rien que pour ça, ils méritent. Mais la question de fond, c'est celle de la démocratie, c'est la question de l'autonomie intellectuelle et de la reprise du pouvoir du peuple, hein, démocratie, du peuple dans le monde intellectuel et de plus laisser tout ça aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les vidéos et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifs. C'est très important pour vous et pour moi.